Je lui check le temps. Ouais. Ben là, la présentation est commencée, là. Ouais, j'aimerais bien ça, mais je trouve ça. Ils ont commencé la présentation à Toronto. C'est-tu moi qui. Pourtant, je suis en direct. À Toronto, ils ont commencé à présenter des images. On dirait un Wolfenstein. Non, c'est quoi? On veut pas se faire spoil. OK. Ah, Zach. Hey, t'as-tu compris, Zach? Non, il parle pas assez fort. Il a dit, regarde pas, je veux pas qu'on se spoil. Il paraît comme son père. Ah, oui, effectivement, le live a commencé. Je suis en avance sur vous. Refresh, peut-être. Something's off at the church. There's blood in the baptismal font, and pastor's gone missing. And my genius plan was to investigate it alone. Quoi ça? D'après moi, c'est comme je te dis, ça a l'air Wolfenstein. Don't trust Layla. Hey, on va-tu vraiment voir? Le saut muet pendant toute la longue de la présentation. Je sais pas, moi j'aurais aimé ça avoir des sous-titres en français, mais ça a l'air qu'il n'y en a pas. Ben c'est parce que j'ai le choix. Attends, je vais t'arranger ça, moi, pour elle. Là. C'est bien fun, c'est bien beau, mais moi ça me gosse. Quand ils disent exclusif sur Xbox, si j'ai Xbox Pass, est-ce que je vais y avoir accès? Ben oui, je pense que ça va être le seul but. Ok, parfait. J'ai jamais joué à ça. Zach, ferme ta bouche, tu vas avaler des mouches. Il tire ça de son père. Mais ça, c'est quoi? C'est des zombies ou des vampires, genre? Parle plus fort, t'entends pas? Ouais, Zach, je t'entends 000. Ah, oh, ouais, c'est bon, Pat, de même. C'est très bien. Ah, là, je t'entends. Le micro carrément dans le nez. People started vanishing, and those who didn't sold out big time. C'est un genre de battle royale. Basically, everyone's either a vampire. Je pense que c'est un story mode plus que d'autres choses. Ouais, mais je pensais que ça aurait été. Non, c'est une affaire de vampire. Ça me parle, pour vrai. Ouais, mais on vous avait dit qu'elle allait avoir une nouvelle idée de Microsoft aujourd'hui. Feelings mutual, I guess. Aw, thanks, Jacob. Mais des FPS, je suis pas tant bonne, par exemple. Our engineer genius and her little robot buddy. She means you'll be born. Who's a good robot? Who's the best robot? And our resident expert on all things creepy. I prefer the term cryptozoologist, but to each their own. Last but not least, yours truly. I have these weird powers. We've been digging for answers that haven't found much beyond blood and death. Lucky ouais. The vampires and the sycophants. Non, exactly. Halo, like to nest. I bet the answers we need are inside FPS those tourist traps turned shooter. Fortresses. Je vois l'image. TPS, third person spotted shooter. Some bloodsuckers in their fan club near the festival grounds. Let's start there. Ghosting out. C'est quoi ça? C'est la sortie des nouveaux jeux Xbox? Ouais, pour 2022-2023. Altus could go straight at him or just slip past. Let's just get this done. On my mark. Oh shit, blood bags! I know we're here. Look alive!
encrypted hunter's intuition tells me there's a nest nearby. Your what? Jeff, that's not a thing. Mais là, found something. Oh, j'espère que tu savais que je tenais les dents partout. What is that? Okay. Where does it go? Ça a l'air, on a l'air pour un jeu à 4. Ouais, ça a l'air vraiment... Ça me fait penser aussi un peu à... Back for Blood? Ouais. Back from... Ouais, c'est Back from... On ouais. Parlé sur la 42, là, j'adore ce jeu-là. Fait que tu sais, je me dis que ça vient vraiment... Mais en fait, j'ai compris c'est quoi, c'est genre l'histoire de... C'est genre, la première affaire de Fortnite, c'est genre un mode de jeu, c'est des zombies. Ouais. Puis genre, ouais. C'est ça, ça ressemble totalement. Sauf que Fortnite, je pense que c'était du Battle Royale, tandis que ça va être du multijoueur à 4, genre. Ah, c'est Redfall! Ok, c'est Redfall! Je connais pas. J'avais vu des images tantôt. Je connais pas cette franchise-là pour être honnête. Allô, bonjour. Non, allô, H-O-L-L-O-W. Mais je sais, je te niaise. Starfield pis Redfall pis Ok, il faut survivre. Ça me fait penser au ça doit être le même créateur là, mais Don't Starve Together. Ah, possible. Même graphique. Juste pas du tout le même style de jeu, par exemple. Hollow Knight. Je me disais aussi. Le Chevalier de l'Ombre. Ouais. Je reconnaissais le graphisme. Wolf Premier. Ouh. Je m'ennuie de ça, genre quand il faisait World Premiere. Ah, tu vois, là, elle fait plus... Non, tant mieux, parce que... Oh, ça, je pense que Zach, il va aimer ça. Oh, oui! Ça, Zach va triper. Il va falloir qu'on l'essaye. Fait que bien ça, Zach. Ouais. Mais ça, Zach, il n'a pas trippé. On écoutait quoi? Non! Non, parce que c'est toi qui arrêtais de dire qu'il y avait trop de gros mots et tout ça. Ah, c'est ça. Si papa, il fait son papa poule, tu pourras pas l'écouter. Non, mais moi aussi, j'aimais pas trop ça. Ah, ok, bon. Ah, tu vois, c'est ma faute 30 secondes plus tard. Ah, ben moi aussi, j'aimais pas ça. Bon, ben c'est correct de voir si t'aimais pas ça. Ah, ils sont bien cute, les petits mondes! Je serais dans de l'essayer. Hey, bah, c'est ça, Xbox Pass, c'est hot, là. Oh, ouais, ben, c'est pas Xbox Game Pass. Oh, ouais, moi, je triple là-dessus, là, depuis que j'ai découvert ça, c'est une scène. Hey, ben, imagines-tu pour un gars comme moi, c'est des courriels en moins à envoyer à chaque semaine pour un des jeux. Oui, t'as ma raison là-dessus. Regarde juste Ninja Turtle, il sort cette semaine sur Game Pass. Oh, j'avais pas vu! Ben ouais, j'ai pas besoin d'envoyer de courriel à rien, j'ai pas à vendre ma chaîne, je l'ai tout de suite. Voilà. Ah, la fille, elle fait pas... elle fait pas de voix de avec sa bouche. Fire on life. Oh, c'est vrai, là, faut que je le fasse. Ça pue, la fille, ça fonctionne pas, sa job aujourd'hui. La fille, hein? Ben ouais. C'est ça, ça sert à rien, là, je trouve. Pourquoi qu'ils nous ont foutu ça? Je pense que c'est la première année que je vois ça. Welcome to the Xbox and Bethesda Game Showcase. Ah, ça rebond. Today, we're doing something we've never done before. For the first time ever, our entire show is focused on games you can play over the là, next 12 months. Oh, ok, c'est juste des jeux qui vont sortir dans les 12 prochains industry-defining mois. Racing experiences, encore mieux. Encore mieux, maintenant. Compelling strategy titles. And
my favorite, the most anticipated open world RPG of the last 20 years. All playable. Or an open world? Fable. The best part is, with Xbox, you'll be able to play those games in more ways than ever before. You can play on your console, PC, or on the go with Xbox Cloud Games. Ah, oh, je sais pas. You can play with who you want, where you want, and when you want. J'ai hâte de voir c'est quoi. Moi, je pense j'aime ça open world. And that is on top of the hundreds of titles coming to members over the next year. Our next announcement shows that the benefits of Game Pass go well beyond the console. We are thrilled to be working with an iconic team that has built some of the most played, most watched franchises in the entire world. And now, all Game Pass members can unlock the benefits for these incredible games. For over a decade, players have created a thriving culture of competition and creativity around our games. From clutch plays with friends to unforgettable moments in esports to amazing creations that have blown our minds, Samsung our community has continually taken Riot Games to new heights. Today, into that world. On vend tout, Zach. Subscribers will unlock every champion on League and Wild. Select cards and legends in Europe, and Little Legends in Teamfight Tactics. And that's just the start. Thank you for coming on this journey with us, and welcome to Riot Games. T'as ces cornes de diable qui est de se cacher pour son halo. Oh! Game. Et Riot Games! Ouais. Ça a l'air de Valorant, ça. Ben, c'est ça que je me dis, là. Ça ressemble vraiment, oui. Riot Games. Fortnite, c'est-tu Riot? Ouais, mais ça, c'est League of Legends. Mais non, ouais. Oui, parce que j'ai l'air. Ouh! Pas League of Legends sur Xbox, ça. Il y aura encore des championnats. Je pense que ça s'enligne. Tous les champions débloqués. Ouais. Oh! Sur mobile! League of Legends sur mobile avec la Xbox Cloud! Riot avec Microsoft pour les jeux sur le cloud! Attends, là, ça c'est pas... Ça c'est le jeu de cartes, ça! Ouais, c'est ça! Teamfight Tactics, ouais. Ça, c'est mon jeu. Oh, j'adore ce jeu. Il y a Valorant, c'est ça. Ça, c'est Valorant. Oh, ouais, ça, c'est Valorant. Spicy, ça pourrait être insane, pour vrai. Wait. Game Pass! Monster and XP with Game Pass. Hey, c'est un nouveau... Oui, c'est sur mobile! Sur mobile! Hey, j'ai manqué des images. Attends, je vais leur filer 30 secondes. Ah, ben vas-y, moi je reste en avançant. C'est ça, je veux voir. League of Legends sur PC, League of Legends Wild Rift sur mobile. Ouais. Legion Winterra sur PC et mobile, Teamfight PC mobile, Valorant PC, tout sur exact. Game Pass, tous les champions puis débloqués. Avec tous les champions débloqués, Bretta. Wow! Ça, hey! I'm sorry, Amy. Hey, moi je dis ça de même, mais le prochain jeu, c'est mon style de jeu. He's not dead yet. Lui? Celui-là. C'est du médiéval, c'est malade. C'est lequel, ça? Je sais pas. Ben, il avait déjà un Warrior dessus le cellulaire, là. Mais toi, tu m'as fait peur. J'ai fait le saut. Il y a juste Zach qui a pas eu peur, genre, pourquoi vous avez eu peur? Ben, total. Il est juste...
Il a juste parlé en fait. Shotgun, ce jeu. Arc ou non, celui qu'on voit là, là. Mais c'est ça, c'est du Arc ou Fable? Je sais. Non, je pense pas que c'est Arc. Look out! There's a killer around here. One of our men has been murdered. Ah oh ouais, c'est un story mode en plus. Ah, ils ont changé la fille pour un petit gars. La fille était genre sur... Ben, qu'est-ce que je fais là, moi? Je crisse mon... Des rats qui bouffent le monde. J'ai pas vu les rats. Ah, oh, mais je t'en avance sur toi parce que toi, t'as, ouais, t'as retardé. Ouais, pour toi, il se marche. Hey, il y a l'air beau, pratiquement, pareil. Ouais. Ben là, les jeux... Oh! Black Tail! Je connais pas ces jeux-là. Les jeux vont commencer à sortir avec Unreal Engine 5, là, quand ça va commencer, là, ça va être vraiment... Ah non! Quelque Unreal... chose, là. Ouais, ah ouais, non. Juste qu'est-ce qu'on a vu du métro de Londres, là, l'autre fois, là, ça a été débile, là. Oh, Pat! Oh! Le prochain jeu! Oh my god! Yes, sir! Ça va être bon, oh, ça! Oh, Jésus. Là, j'en ai un qui est ah ouais? Content, là! Ben, exact, ça va être toi qui vas le tester, celle-là. On a acheté la télé à cause de Forza. Ah ouais? Parce que quand on avait été au Best Buy, on avait vu des extraits de Forza Motorsport Horizon sur la télé. Puis Zach est arrivé, il a fait comme, c'est celle-là que je veux! Oh oui! Motorsport me parle plus qu'Horizon, je suis désolé là. C'est quoi la différence entre les deux? Horizon est beaucoup plus open world, Motorsport est beaucoup plus circuit. Ok. Puis Horizon, la communauté là, carrément. Juste Forza Motorsport. Hey, c'était écrit PC et Cloud, fait qu'on va peut-être pouvoir jouer. Ben, tu as tout le temps pu jouer Forza sur PC. Non, mais quand ils disent cloud, ça veut dire quoi? C'est que t'es pas obligé de le télécharger à Star. Ah, oh, ok, ok. Puis il y a sûrement qu'une nouvelle application Samsung, tu vas pouvoir jouer. Ça, puis t'as pas besoin d'avoir un ordinateur qui est performant, rien pour le faire jouer, là. Vu que t'es en cloud, là. C'est bon, ça. Including techniques like c'est le but de Microsoft depuis plusieurs années là, avec Game Pass. C'est comme vraiment que Game Pass racing game ever made. Today, je sais pas si tu l'avais dit tantôt, Pat, là, mais justement, il y a des TV qui commencent à avoir le, le Game Pass slash le Game Cloud de Microsoft genre, intégré. Là. Ouais, mais comme quand t'as même plus besoin d'ordi ou de console pour gamer sa TV. Là. Ça vaut la peine. Tantôt les 2022, ça... Hey, puis Charles, t'es là, envoie sur ma Twitch. Sur Discord. What you are seeing is an in-engine gameplay demo. Presented using a single camera with no cuts. Okay, but thank you. Let's jump in with the M8. Ooh, beau graphique. Ouais. Moi, je suis tellement nul avec les jeux de char, là. Ouais, ben, char, il est comme ça. Comme ça. Là, je vous entends. Yes! Oui. C'est Forza! Oui! Oui. Forza! Ça serait cool, ça. Ah, ben là. Exact. Voilà, War 2-1. Bring a new level of realism to the track. Hey, c'est fou le gazon pis le gazon brûlé. Hey, c'est des beaux graphiques. C'est quand même solide. Ouais. C'est pour ça que je dis que Forza, là, c'est les meilleurs. Pis le Dynamic Time, en plus, ça est intéressant, là. C'est quoi ça? C'est plus que tu joues dans ta journée, l'heure avance. C'est-à-dire que si tu fais une course d'endurance, tu peux te ramasser de nuit, puis recommencer le jour, puis... Ah, c'est bon, ça? Ouais.
Je cherchais un jeu justement pour mon setup de simulation. Ah, c'est le. Faut leur poids leur brancher. T'as-tu le guidon pis toute l'équipe, toi? Oh, et j'ai les trois pédales, le shifter 6 vitesses, 8 vitesses. Oh my god! Oh, et le banc de course. Ah, c'est bien beau! Ouais. Advanced materials and shaders. J'adore les jeux de course pour les prototypes. Ouais, c'est vouloir avoir un VR aussi. Ça pourrait être fou. Mais Assetto Corsa est quand même violent en VR. Écoute, j'ai pogné la gerbe. Il faudrait que je le réessaye. Ah, c'est ça qui arrive, il y a pas tant de personnes que ça qui sont capables de jouer à des jeux assez rapides avec le VR. Là. Tout le monde tombe malade, là, ça lève le cœur. Mais Flight Simulator, j'ai joué en VR, c'est vraiment le fun. Bon, l'idée, c'est que c'est un peu plus lent, mais dès que t'as comme trop de mouvement, là, c'est là ouais, que c'est ça. Ça vient chercher. Dirais, là. Tant que t'avances, pas de problème pour ta course. Si t'as le malheur de reculer, mon oh, homme. Ouais. La gerbe en barque. Oh mon dieu. Ils sont beaux, les chars, là. Hey, le jeu de reflet pis tout, c'est juste wow, là. Mais ça, s'entends-tu si tu le verras jamais sur tes replays, là? Non. Mais c'est intéressant, tu sais. On a un nouveau collaborateur de 11 ans. Ouais, j'ai vu ça. Mais tant qu'il est en chachant, tu disais, j'en ai lu ça avec toi. Ben ouais. Oh wow. Hey, l'eau est... Attends, check, le soleil va se coucher. C'est quoi ce jeu-là? C'est Forza. Non, non, ben moi je pense que je suis sur le live officiel de Xbox, puis ils sont en avance sur vous autres. Ben, moi, je vois les avions là, en ce moment même. Je vois l'avion des frères Wright. Ah, 40e anniversaire. Le Spirit of Saint-Louis. Ah, ouais. C'est Flight Simulator. Ouais. Des patchs, tu sais, peut-être? Ouais. T'es en avance c'est de 30 secondes, puis tu vois, je suis sur le YouTube officiel. Ok, ok. Mais sur moi, je suis sur Twitch. Ok. J'aurais peut-être changé pour Twitch, ouais, c'est un sim, ça c'est sûr. Mais c'est-tu le Flight Sim? Des patchs, peut-être bien? Ouais. Ouais, je reconnais. Ouais, c'est un sim, ça, c'est je me suis remis à jouer justement à Flight Sim, ça fait du bien, c'est le fun. Ben, ouais. Ouais. Oh. Je me suis mis sur. Sur le Twitch, mais en hélicoptère, c'est bien cool. Ouais. Avec des girafes, tout. Ben, c'est la force de Fly Simulator, c'est les paysans. Ouais. Oh, les belles girafes. 40e. Ah. Bon, ça, c'est une méga patch d'après moi au jeu, là, ouais, en tant que tel. Ils peuvent pas ressortir une mécanique puis un engine juste pour ça. C'est quoi ça? Eh, c'est un Warthog ça? Ouais, c'est ça? Non! C'est bien drôle. Ah, je connais pas ça. Ben oui, c'est les vaisseaux de Halo. Ben, j'ai jamais joué au Halo, moi. Juste par le vaisseau, tu le vois. Halo Infinite Microsoft Flight Simulator.
Ah, Zachary, t'es cherché un coussin pour qu'on le voie mieux. Play with Gamepad. Oh, bizarre. Yeah, ouais. Which one's your Overwatch. Blizzard. Mine's Tracer. She's like. Oh oui. Tracer. Oh, j'aime. Soldier. Before me, I see the future. J'ai oublié des noms. Machine. You know there's more out there, don't you? Là, c'est quoi qui sortira avec eux autres? Ben, ouais. Ouais, pis que moi, je suis pas un joueur d'Overwatch, j'ai regardé ça, pis je t'ai dit, c'est quoi la différence avec l'Overwatch 1? Ouais. Ouais. Ça va être malade. Ouais, je vais être la première à sauter là-dessus. Partout de moi, là? Oh, même free to play, je pense pas mourir. C'est normal que j'entende personne. Ah, la meilleure. C'est normal que j'entende personne. J'entends plus personne. Surprise! You'll like this one! 1, 2, 3, 4! Ah, patate poêle! No wastelander has ever made it to the reckoning before. Un nouveau héros. But here I am. Un nouveau héros, une nouvelle héroïne pour voir. Ooh, and nice. Là, ça part si je viens. Ah, zut. Ouais, ben on s'entend, c'est top en prochain point pour... Qu'est-ce que c'est ça? Ouais. C'est des nouveaux persos. Ah, y'a de l'air génial! Ah ouais. Il me fait penser à D.Va, par exemple, avec son bonhomme, là, son robot. Là. Ouais, ben, genre d'apocalypse. Oh, il est bien plus. Did you really think this would be a fair fight? Ouh, j'aime la fille. Ouais, hein, j'aime bien le petit look. Cap. Ouh, j'ai hâte. Ok, c'est cool. Tu vas tout acheter puis tu vas tout avoir. Non, ouais, non, t'as tout compris. C'est tout le Game Pass, fait que je serais pas obligé de rien acheter. World Premiere. Non, oh, attention. Ben, c'est ce que j'ai dit, elle aura pas besoin. History is filled with moments of greatness. Ah, ça, c'est un autre style de jeu pour moi. Lost to time. But what ah, c'est Age? Ouais. Could have been if you were ben, Age 4 d'une pas sortir pas super longtemps? Mm. How would you reshape the world? What new stories would you tell? And when your people speak, would you listen? How would you lead them in this new world? Ça semble être un Civ. Civilisation, ça fait longtemps, ouais. T'as des personnages d'histoire, Civilisation, c'est spécialisé là-dedans. Oh, c'est clairement Civ. Ah ouais, c'est un Civ. Je suis d'accord avec toi. But these will be yours. Ouais. Oh wow. Ouais. Civ 7. Non, Ara. Ara. Ouais, ça aussi.
war that happened across the sky. Heroes fought and died to give us a chance to start over. That's how I want to thunder. Oh, il est beau! Ah, il a trouvé un bras, lui. Ouais, moi aussi. Ou un Jurassic World? Mm. Ouais, check, il est équipé, ce dinosaure, là. C'est ça. Ah, oh, ben oui, toi. Ouais. J'ai pas accroché sur le 1. Moi non plus, j'ai pas accroché sur le 1. On va tester le 2. Hey, c'est pas un truc Horizon Dawn, pas trop, ça ressemble aussi à ça, on dirait. Ouais, mais non, disons, c'est PlayStation exclusif. Ouais, pis Horizon, okay, c'est des mécaniques, c'est pas des. Ok, c'est des robots. Ah, oh, c'est Ark 2. Ouais. Ark. Ah, oh, ben oui. Ark 2. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est quand même cool. Je connais du monde qui ne font que jouer à ça, là. Qui ben oui, pis c'est correct. Des châteaux, pis, ouais, non, mais c'est comme. C'est des jeux que t'as pas de fin, là, genre. Exact. World of Warcraft, là, moi, c'est pas ma force. Bon, Unreal Engine. Ils ont pas mis 5. Oh. Ils ont pas mis 5, fait que c'est le 4. Cheap. Hey, Seigneur, c'est pas beau tout de suite, hein? Ouais, hein? Ah, qu'est-ce que c'est ça? Un cordon ombilical? Oh, ouais, hein? Peut-être. Ça avait de l'air des bébites de Doom, ça. Arc. Oh, un jeu de plus que je jouerais pas. Bref, ça, moi, je joue pas à ça. C'est chaotique. Squire. Des fois, là, tu te dis qu'il y en a qui ont fumé du bon pour faire ça. C'est pas. Ils ont juste fumé, ils l'ont mangé, puis ils ont tout fait avec. Là. Attends, le pire des fois, c'est qu'il y en a qui sont même pas obligés de fumer pour avoir des idées de même. Ah. Fait qu'imagine quand ils fument. Kepler, c'est un nouveau studio que. Non, j'ai entendu ça, Kepler. Okay. Un RTS? Ça? Ouais, ça va être ça parce que. Deuxième guerre mondiale, ça? Non. Première guerre? Non. Non, t'es même pas sur la planète Terre. Ouais, c'est ça. Ah non? Ah ben non, c'est pas en tout. Parce qu'il y avait une image de tranchée et tout ça. Ouais. Ouais. Ça, ben là, t'as l'air intéressant comme jeu. Ouais. Un genre de micro. Oh! Quoi? Non, c'est bon, j'ai fait ça comme quand elle a sorti son gun puis qu'elle l'a achevé, je trouve ça intéressant. Ok. Mm-hmm. On dirait un mécanisme à la Assassin's Creed. Non, c'est pas ça. Ça me fait penser aussi à. Pas Dauntless. C'est quoi l'autre? Je le dirai pas, je le trouverai pas, je suis trop fâché. Oui, je viens de parler avec quelqu'un qui joue à Ark 2 comme un malade, puis comme à Ark 1 comme un malade, puis comme ah, Ark 2. Il vient de carrer sa vie. Là. Ah, Jérémy est un maniaque de Ark. Là. Il y a comme un cahier des joueurs avec toutes les codes. Ça me fait aussi penser à God of War, genre, dans un certain sens. Oh, peut-être, là, Jérémy. Moi, je veux le petit bonhomme, là, la petite bébite. À chaque jour, plus, genre, 2-3 heures, même. Ah, c'est un Game Pass aussi. Bon, ben, il faudra peut-être que je me l'achète avant de donner la Game Pass. Ouais, je pense que t'es rendu. Là, dis-moi là, je vais t'envoyer le code. Richard, tu penses qu'il y a eu la Game Pass comment, puis moi? Oh! Oh! La 2.0? Oh! Mon Jane? La 2.0? My new game. Oh mon dieu! Okay. C'est ça? C'est la 2.0!
They are the dreams we weave. Pour vrai? Into our shared story. Some legends tell of peace. Ça y est. And the beauty of simplicity. Il serait dû parce que ça fait 10 ans qu'il roule sur le même moteur graphique. En tout cas, si c'est un nouveau Minecraft, je serais dans l'essayer. Je pense qu'il y a une méchante gang qui serait dedans pour l'essayer. Ben, peut-être pour moi. Ah, ça a l'air que Minecraft Adventure. Ouais. T'as Minecraft Dungeon là, qui ressemblait beaucoup dans ce genre-là. But the legends we hold dearest are legends of hope, ouais, c'est sûr, of creativity, c'est vraiment... and of bravery. T'as vu ça quelque part, quoi? To change the world forever. This is the legend of a united overworld. United by you. So you did this on one. Oh, okay. Oh, c'est cute. Ils ont vraiment tout changé là. C'est Minecraft. Ouais. C'est un new game complètement là. Ouais. Minecraft Legends. A new action strategy game. Okay. Ça fait que c'est pas Minecraft 2.0, c'est un. Un nouveau. Dans quand même pas trop longtemps. Mais j'avoue que le Minecraft original, il est dû pour un nouveau moteur graphisme. Ouais, il est dû, oui, puis non. Il me reste tant de stock, puis je dis, c'est le fun. Moi, je joue encore de temps en temps, puis c'est le fun. Console launch exclusif. Mais Mathieu, t'as pas de code Xbox Game Pass? Non. Ok, je vais. Dans moins d'une semaine. Oh, ça ressemble à Borderlands. C'est. Ben, peut-être pas. Non, il y en manque. J'en viens aussi, tu ne l'as pas, hein? Non, c'est pas pour non. Astronaut? You wanted to make a new life for yourself. Le mec est beau. C'est bien, hâte, ça. Oh, c'est cool, ces jeux-là. Ouais. Pour ramasser des ressources, fait que c'est comme un style de survival, mais monter sa base quand même sur une planète, genre, c'est pas pire. Genre un planète crafter, genre. Ouais, ramasse ses légumes. Oh, ça, je vais l'essayer. C'est du simulation, j'aime ça. And while you explored, you uncovered a mystery. Mais mémoire, ça c'est cool, multijoueur. Ouais. Ça prend ça. Oh, il faut jouer à ça, guys, on n'a pas le choix. Lightyear Frontier 2023. Au printemps 2023. Ouais. C'est fou. Red. Ouais, mais comme qu'il disait au début de la présentation, c'est tous les jeux de la prochaine année. C'est toujours comme ça. La prochaine 12 mois. Ouais, les 12 prochains mois. C'est toujours comme ça, des présentations comme ça. Pour présenter qu'est-ce qui s'en vient. Gunfire Reborn. Ouais. Bon, c'est le genre de jeu pour lui, ça. Ouais. Oh, un chat. C'est le genre de jeu pour lui. Ben, il faut aller les chercher, ce public-là, là. C'est la prochaine génération, là. T'as pas le choix, là. Ben oui. Il faut des jeux pour son âge, là. Sinon, mais le plus, c'est qu'il y a quand même un style graphique intéressant. Ouais, ouais. Regarde Warlord Champion, il a embarqué tout de suite. Ouais, ben, il faut s'entendre, le jeu, il n'y a même pas encore 3 semaines, le temps qu'il est connu. Ça paraît qu'on n'est plus une présentation devant le public, hein? Il y a les pubs, ils s'enchaînent. Ouais.
ça donne un autre trip que d'habiter les années passées. Ça me fait penser à Gotham. Anyone here? Ouais, mais ce sera pas Gotham, c'est Rogue. Ça aurait été Gotham, ça aurait été WWE. Mais je m'attends que... Je pense pas qu'on va avoir des présentations dans les studios tiers. Oh man, c'est joli ça. Ouais, ouais. Since I found the first piece, there must be more. That's him, my father. I can guide you through his memories. Cthulhu, hein? We're close. Don't let your fright hold you back now. Avec un petit mécanisme. Oh, oh wait. Genre de boss fight. What? Il a là. La dernière image m'intrigue. On va-tu pouvoir se transformer? Bonjour everyone. I am excited to be here today to tell you more about Interior Knights' first original creation, As Dust Falls. Bonne française. It started with the desire to create a deep interactive experience all levels of players can enjoy together. Because stories are brilliant, universal tools that help us understand the heartbreaking beauty of life. This game is an uncompromising tale of family, resilience, and sacrifice. Written like a prestige TV show with a unique motion graphic novel style that triggers the imagination. This is an interactive story powered by video games that gives you agency over the lives of far from perfect human beings. Québec, Montréal, Saint-Jean, this is a thought-provoking experience. You can play with people you love, discover insights about each other, and create shared memories. As the Falls is an emotional experience that we hope will leave a mark with everyone who plays it. Il va me nommer les 30 villes de la Ligue nationale. Montréal. OK, c'est beau, je tiens à dire. What? Il a buggé. For most people, to oh, the least stop. Arizona. Wasn't taking the scenic route your idea. Okay, ça a l'air. But for us, it felt like a trap. Hey, there's enough cash in that safe to put the last few weeks behind us. Ouais. Les planches de bande dessinée all the way on the ground. Un peu comme qu'elle avait fait avec 13. Je connais pas. 13, c'est une bande dessinée PM. Puis il avait fait un jeu à partir de la bande dessinée qui ressemblait beaucoup à ça. Les Français sont très forts sur les bandes dessinées. C'est OK. Even those of us who made it out alive. We've taken very different paths in life. But they all lead back. La première fois, je vois un jeu de même. Bon. Mais moi, là, moi, personnellement. Hey there. Evening. Hey, Sam. Say, you haven't seen three fellas in a blue pickup, have you? Nope. Been here all day. How you liking the desert dream? Oh, can't complain. Can I ask what brings you to Two Rock? Ah, Violence en ligne, comment ça s'appelle le jeu, ça fait Detroit Human. Ouais, c'est ça. Detroit Become Human, ouais, ouais, ça ressemble à ça. L'arbre, là, ça ressemble ouais, à ça. Ouais, c'est ça, ça m'a fait cliquer, moi, avec tout de suite. Fait dans le fond, tu peux refaire le jeu, puis avoir un jeu différent ouais. Complètement? Ouais. Tu auras comme 20 fins différentes, là. Ah, ça, c'est le fun. Ouh, multijoueur! Puis même Detroit, là. T'avais les statistiques de tes amis, genre tes amis ont choisi cette direction-là, mm-hmm. Et ainsi de suite, fait que ça venait en plus t'influencer, savoir est-ce que j'en ai même marre que tout le monde ou j'y vais autrement, parce que d'avoir une fin différente.
Oh. Ouais, c'est ouais, mais c'est pas un MMO, ça, genre un BR de... Ah, c'est Battle Royale, c'est ça, Blade Point, ouais. Tu sais quoi, c'est DLC, avec des nouveaux persos. Ça a pas nié, mais pas... Ça a pas nié, mais avec un public niche. Exactement. Fait que t'en as pas gros parlé dans le coin, là. Hein. C'est... Le jeu, il y a quand même... T'es ah, du monde qui joue, sauf que ça, c'est que le monde qui joue, c'est que du monde qui font juste jouer à ça, comme de leur vie, quasiment. Ben, faut que t'aies du skill, là, parce que... Ah, ben, ça a pas de l'air. C'est pas point and shoot, là. Ouais, c'est ça, là. Ça a pas de l'air Fortnite, game, pis Call of Duty, là. J'ai cher que j'en mangerais tout de suite si je jouerais à ce jeu-là, là. Pas user-friendly, mettons, ouais. Ouais. Même plutôt newbie-friendly. Battle with friends, ouais, c'est ça. Il est pas user-friendly. Nouveau... Non, il est sorti comme une sorte de hog campaign. Ouais. Ça peut être intéressant par contre. Ça, c'est vraiment cool, ça. Une campagne mode pour le jeu, là. Ouais, c'est ça. Ça peut lui donner une autre. Parce que le gameplay, sérieusement, le gameplay, j'ai joué un peu, là, pis c'est rough, mais c'est vraiment le fun. Ouais, je m'attendais à ce que toi, t'aies joué à ce jeu-là. Je sais pas pourquoi, là. T'aimes ça, c'est des affaires obscures. Ben, des affaires compliquées, genre des gameplays qui est difficile, j'aime ça, là. Ouais, du moment qu'on m'attache, moi, je suis heureux. Oh! Oh, c'est cute. Ouais. Ah, ça s'appelle Ursula, oublie ça. Calice! C'est quoi, la grande mort? Ça, c'est mon style de jeu, je pense que j'aimerais ça. Ben... Oh ouais, tu lis ça pis tu changes ta voix en live, là, c'est fucking drôle. Moi j'aime ça faire ça. Mais oui. I'm sorry, father. There's nothing to be done. He's dead. Ah, on va aller à la pêche, Zachary. Tu vas faire la pêche. Oh! Zachary adore trop aller pêcher à Fortnite. Novembre 2022. Contrabande Nintendo, c'est pas de genre now. Nintendo, ça serait le 15 juin, hein, selon les rumeurs. Je sais pas. Ouais, il y a des rumeurs qui courent que Nintendo aura un live le 15 juin. Ils l'ont pas encore annoncé. Ah, ça, j'ai hâte. What? Le moustique. Breaking report. More local teenagers have gone missing. This could be linked to the disturbing trend of missing teenagers from our otherwise quiet town. Yes, it's so. If anyone has seen Obsidian, or has any other information, please contact the police department. Ah, c'est le Tiny Sick. Ok, ce jeu-là, c'est une un patch. Un DLC. Ça fait un bout qui est sorti ce jeu-là. Es-tu Tinyverse le premier? Je m'en rappelle plus. Je pourrais pas te dire. C'est un survival que tu commençais. Tu allais jouer en multi, puis tu commençais à. T'étais rapetissé, puis t'avais rien. Fait que t'allais bûcher du gazon, tu te battais contre des fourmis et des araignées. Puis okay. Oh tu crées une base, puis c'était quand même cool. L'histoire maintenant.
C'est genre le story mode. Grounded. Oh, c'est quand même pas tout. Oh, oui. Et imagine, dans le temps, Warcraft se vantait avec 10 millions de joueurs, puis on trouvait ça beaucoup. Même beaucoup trop, mais maintenant c'est là. Okay. World premiere! Console. Out! Oh my god. Console launch exclusive, baby. Robot. Helios. They search for someone who does not exist. Il y a beaucoup de robots, hein, aujourd'hui, je trouve. The shadow. On va voir ça. The forgotten child of a scattered race, lost until now. Now they have awakened the Erebon. Now they have awakened me. But I am not their hope. I am their reckoning. Time cool. La mécanique de se déplacer dans l'ombre. Ouais, mais ça ressemble pas mal à, you know, le. They will not drag me. T'avais un jeu qui a eu deux parties, le 10-1, pas 10-1. Their light. Ah, Colin. It's a lie. Oh, j'ai eu ça quand j'ai des blancs de mémoire de même. Erebon. Play day one with 10-1, si je me trompe pas. Nice. Oh, oui. Hey, c'est ça, 10-1. I speak now to those who heed a darker call. Le même moi, là. Je trouve ça dégueulasse. Ah, non, moi j'aime ça, ces jeux-là. Ça sort du quotidien. Fais passer à Diablo. Ouais, hein? Ça a l'air de Diablo, là. Mais je pense pas que ce soit Diablo. Nah. Ben, ils ont acheté, hein. Ouais, mais que... t'aurais eu Blizzard. Ouais. Ça ressemble à un esprit. Ouais, hein. Ouais, ça avait vraiment le même feeling. Ouais, hein. Mais juste Diablo 4, là. Juste la costume d'affaire, c'est Diablo, là. C'est Diablo. C'est vraiment le même feeling, sérieux, là. Ben, ça, serait... si c'est ça, là. Diablo 4 sortirait dans l'année, là. Niam! Ah! Ah ouais! Vous avez peut-être raison, les gars, hein? You will be shunned. Scorned. Zack est carrément caché dans sa couverture. To this profane knowledge. Ben, ils ont besoin, parce que Diablo 3 a tellement pas été... Vas-y, finis ta phrase, pour voir. Hein? Mais la majorité du monde que je connais, moi, sont encore sur le 2, et non sur le 3. Ben, le 2 a ressorti, mais le 3 est encore ultra solide, là. Ah ouais? J'ai mis, genre, 1000 heures sur le 3, là. Good. C'est un vendu raide, là. Parce que je sais que Diablo je joue beaucoup. 3, le mécanisme, il fonctionnait pas très fort, là, à cause de... Hein? Non! Non! Mais non, c'est principe. Ah! Si j'ai raison! Ah! Diablo! Ouais! Nice. Mais non, le 3, c'est clavier souris à toi. T'as dit que ça sort cette année? Ouais? Ouais! Oh! Character Selection! La nice. Sauce, la Diablo Nécro, 4 le fighter. Ben, t'as commencé, c'est pas une nouvelle classe. Ouais. Ben, d'après moi, c'est la nouvelle classe qui le montre parce qu'il l'a pas montré dans les autres. Ouais, des autres previews. Oh my god. Là, il vient de me hype, là. Diablo 2, c'est une romancée all the way. Non, mais juste le fait de savoir que Diablo 4 sort d'ici 12 mois.
Là, je sais pas pourquoi, j'ai comme genre mon sel qui arrête pas de vibrer parce que sûrement dans mon groupe d'amis. Building on top of the best of what's come before with some, you know, unique twists all its own. So let's dig a little deeper by watching, for the first time I might add, some Xbox Series X gameplay. While hearing from a few of the many people behind the game. Diablo 4 is the next generation of action RPG, including monster slaying and loot crafting with a fully realized open world. Ah, il fluide. Ouais, il fluide. Salut, Ketchup Man. And unnerving. It's creepy. Oh, Diablo 4 is all about player choice. Oh, takes all of the le bain de ça. Expands them with all the new features that people really love and appreciate in modern games. Oh, il est fluide là. Oh, ouais. Il est plus cinématique. Et en plus, il est Game Pass, ça veut dire Game One des tout, Day One. Ça va être fun. C'est Game Pass en plus, c'est, ben, c'est le cas. Game Pass va être payé là. Ouais. Game Pass est payé déjà avec Forza, là, en plus avec, ouais. Avec Diablo, oublie ça, là, Game Pass, tu rentres dans ton argent, là. Ouais, vraiment. Everything feels very powerful and fun. Mais c'est le fun au moins de voir du monde qui Diablo 3 fonctionne, parce que j'avais tellement eu des mauvais feedbacks. Ben, pas été reçu au même titre que le 2, mais c'est pas le même type de jeu non plus. C'est Diablo 3, c'est du gros grinding de paragon pis dans le ladder de quand tu fais les seasons. Bien sûr que t'as le fun de faire les Gear to Riff. Ouais, c'est bon, on a mis du temps, là. C'est juste que Diablo 3, l'affaire, c'est qu'il y a peut-être pas beaucoup de contenu, si on pourrait dire. Non, mais il disait que dans Diablo 4, il y a une game. Ben, c'est ça le problème, c'est qu'il y a pas tant de game que ça, là. Exactement. Mais genre dans Diablo 4, j'ai juste hâte de voir ce qu'ils vont faire comme endgame parce qu'ils disent qu'il y a 150 donjons, genre, mais... je vois aussi c'est quoi l'endgame, là. Ben moi, je vois aussi les équipements, le loot, le gear, comment ça marche aussi, j'aimerais ça voir, l'inventaire. Mais juste le gameplay de même, là, déjà là... Ouais, c'est joli, c'est nice, c'est joli. Oh, ouais. Déjà là, c'est intéressant, mettons. Oh, ça c'est le nécromancien, ça, parce que tu vois, il y a son armée de stock. Ouais. Pas nécessairement, il y a aussi, j'ai l'impression, un druide. Okay. Il y a des animaux. Possible. Check le boss, man. Ah oui! Genre de boss, c'est fun. Ça fait penser au Gem Order. Share roll. It makes Diablo more of a social experience. Ben, Diablo 2, ça a été carrément ça. C'est un des premiers. Ben, un des premiers jeux, on s'entend, là, Social Experience. Là. Nombre de bots que tu pouvais vendre, puis ah ouais, donc, là. Se réunir à toutes les soirs pour faire des donjons ensemble, pour aller chercher du stock, puis l'envers sur eBay. T'en connais qu'on payait leur loyer avec ça, moi. Ah oui. Ah. Sérieusement, là, t'es juste là, comparé même à Diablo 3, je trouve qu'il a l'air beaucoup plus fluide, plus rapide. T'es, ouais. Tu dodges, tu bouges, tu attaques. T'es pas comme bloqué des animations pendant des heures. Là. Ça fait penser un peu plus à un gameplay de PoE. Ouais, ben c'est ça. Oh, endgame. Path of Exile, je pensais justement à Path of Exile, là. Parce que il parle du endgame. Oh, oh si, boire. Ah, il va avoir de la gestion. Oh, oui. C'est hot, ça. Il va des méta, puis voir, ouais. Oh, oui. Ça, c'est le genre d'attaque que j'aime. Just to see millions of people really enjoying the different options. Through the campaign, local events, couch co-op, endgame, PvP, it almost doesn't end. Oh, des player versus player. En tout cas, Path of Exile 2 va avoir de la job à faire quand même, si c'est vraiment ça qu'on voit. Ouais. Bon printemps, ça, man. Ouais.
Ouais, parce que comme il a dit, 12 prochains mois, faut que ça soit printemps, c'est 2023. Mais il n'y a rien qui les empêche de leur porter. Là. Ouais, sauf, mais... que, sauf qu'au début, c'est même marqué 2022 en bas au début. Oh, c'est safety! Mais c'est bon, oui, ce jeu-là. Ok, Zach, tu vas revenir, c'est fini. Zach! Ah, t'es gars. Il a laissé dormir. Il a eu trop peur de Diablo, c'est comment cacher sa couverture. Oh! Tu vas pouvoir faire ton bateau de pirate? Oh, ça me parle. Ben, Sea of Thieves, comme Richard vient de dire, mais une nouvelle expansion, quoi. Ouais. Moi, c'est le premier, voir. Ça reste le même jeu, mais... On va acheter du stock, là. C'est quoi qui change? Sea of Thieves va quand même bien fonctionner là. Ben oui, il fonctionne encore bien en ce moment même. Ouais, il y a beaucoup de monde qui joue à ça sur Twitch là. Qui joue, oh, ouais. Je ferai une association moi avec Disney pour avoir des DLC de Jack Sparrow. T'en vendras quand c'est industriel. Ouais, c'est clair. Je suis sûr que ça doit savoir parler entre les branches. Hey Disney! Season 7 to see your thieves. Season 7, 21 juillet. Alan! World Premiere! On s'ennuie de la voix, là. Come on! World Premiere! Ouais, c'est ça. Voilà. Va falloir qu'il revienne avec ça l'année prochaine. Oh! Quoi ça? Hey, Gazers! Sacrement! Le petit Vlimer. Il s'est caché avec sa tablette pour jouer à son jeu. Ça somme à Alice. Ouais, hein? Ouais. Ah oui, oui, ah, oui. C'est ça. Ah, c'est Alice au Pays des Merveilles, all the way, là, tu viens de voir le lapin. RPG. Là, là, des skills, c'est ça? C'est des skills pis tout, là. Oh oui, les boss fights qui ont de l'air cool. Ravenlock. Ok, on fait un jeu avec des personnages à Alice au Pays des Merveilles, on change de nom, Ravenlock. À moins que c'est Ravenlock ait rapport avec Alice, puis je le sais pas. Puis on les fait pas tout à fait pareil, tu sais. Ouais. Faudrait que je demande. World Premiere. Oh! Ça me dit quoi, ça? Un Sling Shady? What the fuck? Il est beau? Ouais. Qu'est-ce que tu fais, là? Un beau third phase, là. Hein?
Cocoon. Ok. Aucun lien avec le film, c'est sûr, là, mais. Ben encore, là, on sait pas, peut-être que ça. En tout cas. Ça vient de faire World Premiere avec la voix de Sam. Ah, il revient, puis c'est un beau, beau jeu. Oh, Ninja Gaiden? Non. Ou peut-être Nioh. Ça light Soul Calibur, mais dans un... Nioh? Ah, Mathieu? Non, le combat, je trouve qu'il est peut-être trop rapide. Il a l'air d'être trop. Mais peut-être. C'est des gros boss, ah, ouais, ça risque d'être Nioh. C'est Nioh. On vient d'avoir. Le boss. Ouais. C'est Nioh. Ah, c'est Nioh. Wall of Destiny. Là, c'est une sorte de DLC, là. Vu que c'est Team Ninja, le même graphisme, toute nouvelle aventure. Non, là, tu l'avais pas. Japan is the home to some of the most talented and well-known game creators anywhere in the world. We're thrilled to be working with Koei Tecmo to bring Wolong Fallen Dynasty to Game Pass day one. I'm also excited to be working with Team Ninja. Was a long history of building incredible action games for Xbox, and it's great to be working with them once again. We know how important it is to our fans to continue to bring more Japanese franchises to Xbox. I'm excited to announce the return of one of the most highly requested and beloved franchises to Xbox from our partners at Atlus. Atlus. Xbox ont besoin de franchise. Atlus. Xbox ont besoin de franchise. Ouais, c'est ça. Oh! Oh mon dieu. Sona. C'est Persona. On est vieux, là. Persona 3. Portable. Portable. Ouais. Ouais, c'est genre quoi, là, ils vont faire des remasters pour Xbox. Non, je dirais non, parce que je dirais pas non, je dirais, parce que... Les Persona, c'est des super de bons jeux. Ouais, c'est ça, pis essaye de les trouver en part. Persona 4 Golden. Ça, c'est le 5. PS5R. Ouais, mais c'est Persona 5 Royale, c'est notre jeu. C'est pas ça PS5R. C'est des grosses franchises. C'est des grosses franchises au Japon. Now, I'm excited to announce. Mais pas juste au Japon, même ici, ça l'a. Ça comme funny bien, là. Xbox Game ouais. Studios and one of the greatest creative minds and innovators in our industry. Someone that I have admired for many years. Today, I'm pleased to share we will be working together to create a brand new experience like we've never seen before. Thank you, Phil. Konnichiwa. Kojima Hideo desu. Zutto tsukuri takatta game ga arimasu. Sore wa daremo taikin shita koto mo mita koto mo nai mattaku atarashii mono desu. Sore ga tsukureru hi ga kuru no zutto matte orimashita.
マイクロソフトの最先端クラウドテクノロジーと、市場の変化によってその未知なる構想への挑戦がようやく可能となりました、少し時間はかかるかもしれませんが、これから、Xbox ゲームスタジオを提携し皆さんに喜んでいただけるニュースをお届けしていきたいと思います。ご期待ください。Thank you, Kojima-san. We're thrilled to have Kojima Productions working with our team at Xbox Game Studios. Today, for the first time ever, we have focused on showing you games that you can play over the next 12 months. Today's show celebrates a diverse lineup of creators of all sizes who bring with them unlimited potential. Dead Space also. Games from these creators will be coming to Game Pass every single month, including Naraka: Bladepoint, As Dust Falls, A Plague Tale: Requiem, Pentiment, Persona 5 Royale, Somerville, and Scorn, just to name a few. And we start 2023 with the launches of some of the most anticipated titles from the teams at Xbox and Bethesda: Redfall, Minecraft Legends, Starfield, Forza Motorsport, and more. This has been an incredible year as we achieved record growth across console and Game Pass, with millions of people playing our games every single day. And we have you to thank for that. Whether that's new players joining us through Xbox Cloud Gaming or our longest fans playing on Xbox and PC, we could not have done this without you. A year ago, we welcomed the talented studios at Bethesda Softworks to Xbox. Their teams have been hard at work, bringing their franchises to Game Pass, shipping updates to their games, and building new experiences for you to enjoy. We know that everyone has been eager to see Starfield. Our show today has highlighted gameplay, so it's only fitting that we end it with an extended first look at one of the most anticipated games in Xbox history. Finalement, pas de Banjo-Kazooie à Starfield. Je suis vraiment triste. Banjo-Kazooie puis GoldenEye, GoldenEye, tout le monde avait fait. Une affaire qui est surprenante en plus, c'est Riot aussi là. Right. Quand même un gros partenariat là. Oh, ouais. Juste le fait que tu vas pouvoir débloquer tous les champions là. Non, c'est non, les montres des images d'un nouveau jeu de Bethesda, Starfield. Puis après, c'est tout. D'après moi, il va peut-être avoir une surprise. Parce que 10 minutes en jeu. Ça vaut mieux de me donner une surprise. It's hard to express how excited all of us at Bethesda are to be here with you today. We're so grateful you're spending the time, and we know you've waited a long time to finally see Starfield. It's easily our most ambitious game ever. Like our previous games, it's an epic role-playing game where you get to be who you want and go where you want. But this time, you'll be exploring space. So let's jump right in. This is early in the game as you arrive on the mysterious moon of Crete. Ah non, c'est un des jeux les plus attendus. Ah, Mathieu Richard, c'est un des jeux les plus attendus, je pense, de Bethesda depuis l'achat, là. Ouais, j'ai pas vraiment suivi Bethesda. J'ai les deux qu'on parlait en même temps, là. Moi non plus, j'ai pas suivi à fond Bethesda, mais ouais. Moi, Skyrim aussi, quand même, dans haut de la liste, là. Skyrim, c'est vraiment dans le top, là. Genre, je savais même pas qu'il y ait ce jeu-là en développement, tu sais. Ah non! Ok, parce que je sais que je dirais qu'ils ont copié Destiny là, pour les graphiques. Destiny ou pas copié Halo? Ah, c'est vrai, c'est vrai, concepteur, je suis désolé.
Quand même, hein? Ça m'intéresse, ça. Ça me parle. Un petit robot qui va se parler, c'était l'astronaute. Détection des espèces puis de la végétation. Tu vas pouvoir jouer les deux angles de vue sûrement. Ouh! J'ai mis un deuxième, je pense. Ouais, tu l'as dit tantôt que les first person shooters, c'était pas ton genre. Non, c'est ça. Ben c'est plus. C'est ça, j'aime pas le visuel que ça donne. Ouais. Bon, ça, c'est un shit trop peu. Ouais, hein? De l'iron. Mais s'il y a de la vie, si c'est une barre de vie, ça veut dire que ce sera pas juste de l'exploration. Ah oh, non, ça c'est sûr. Dans une barre de vie, il y a des babs et des frags. Ouais. Tu sais? Of the Crimson Fleet are using the facility. Ah, c'est ça. Des armes à feu, tu vois. Il vient de dire que tu vas être des pirates, fait que. Oh oui, c'est Bethesda en plus et FPS, ça leur parle. Oui, ce qui me fait peur, c'est que même leur vidéo, on dirait qu'il y a des manques de FPS. Ben, c'est déjà mieux que Ubisoft qui jouait à une vidéo de présentation qui m'a dit qu'il fonctionnait pas. Ça ressemble vraiment genre à dessiner slash genre le jeu que tu jouais là dans les villes là, j'ai un blanc de mémoire là. Richard là. Un gros blanc de mémoire là. Fallout. Ouais, c'est ça. Tu vois Fallout. Ouais, ben. C'est carrément Fallout dans l'espace à date là. Oh, ça j'aime ça. Ah, oh, là t'es pirate. Ah, oh, t'as les niveaux qui apparaissent en haut. Ouais. C'est mieux d'être un jeu que tu peux jouer en coop aussi, là. J'suis pas sûr, pis ça a pas de l'air d'avoir été parlé, ça. Mais sûrement, là, y'a rien. Il pourrait faire un jeu coop slash genre même un MMO, là, avec ça. Le futur du jeu est set in, are the last group of space explorers. To meet them, you'll head to the capital city of New Atlantis. J'aime la vie. Wow! Ouais, hein, ça a l'air d'un spaceport que tu vas pouvoir aller rencontrer du monde, ça. Un gros MMO, là, comme je te disais, là. Ouais. Et ça va peut-être venir me chercher s'ils ont bien fait leur gameplay quand même, là. Mais si c'est vraiment ça, c'est une sorte de jeu qui m'intéresse. What's out there? These artifacts could be everything we've been looking for. As to what they are, what they're building. You'll be part of solving that puzzle now. So, you found something? The new guy found it. You dug up the artifact, right? That means you saw it. The visions? The artifact you found appears to be one of many scattered across the galaxy. Fait que c'est pas juste la petite planète qu'on a vu tantôt là. C'est monstrueux là.
isn't it? Oh. The man who sold me this told me that it spoke to him. Of course, the settled systems is full of groups with other priorities. Bon, ça va peut-être modder aussi à fond. Oh. We're not just here to shoot the bad guys. We're peacekeepers. T'as vu combien de mottes en Fallout 4? When you sign up with the Crimson Fleet, no one quits. The only way out is death. The path ahead may be dangerous. But we are not stopping. Most Dusties don't even make it this far. Because whatever lies at the end of this road, will change humanity forever. That gives you a look at the stories in Starfield. But ultimately, it's not our story. It's the story you create by who you are and the choices you make. Mm. And that starts with character creation. Oh, it's our most flexible yet. You can customize all the elements of how you look. You'll pick a background that gives you three starting skills. Oh, ça j'aime ça. It says here you spend some time as a diplomat. Having a way with words might prove useful. There are optional traits, and these come with unique advantages and disadvantages. But it's not just in how you can look, but in how your character plays. Un aspect RPG aussi. The skill system combines the best from our previous games, and you can unlock new skills as you level up, and then you rank those skills up by using them and completing challenges. And there's deep crafting systems, from running research projects with resources you find, to crafting weapon mods needed to survive. Mais ça, t'as plus le choix, c'est rendu une arme, l'amélioration des armes comme ça, là. Avec Last of Us pis Far Cry, là. And you can build your own outposts. These act as a home away from home, for survival and resource generation. You can choose where and how to build each one, and you can hire characters you need to keep it up and running. But that's not all. You can even build your own spaceship. Oh! Oui! Oui! Oh oui! Oh oui, là tu viens d'aller me chercher, là! Ah, c'est ben trop gros, man, what the fuck? C'est énorme comme jeu, là. Ah, Ah, Pat! Ah! Je me demande ce qu'ils vont montrer pour un jeu pendant 10 minutes. C'est vrai. J'attendais un gameplay, mais pas ça, là! Please, come on, là! Ils ont même défoncé, là! Tu sais, en plus, là, tu sais, des fois, t'as des jeux qui vendent un petit gameplay au jeu des vidéos, là, pis ils veulent pas te faire de review, genre, jusqu'à. Dans une journée après que le jeu soit sorti, pis eux autres, ils montrent tout le jeu pendant 10 minutes, là. Ben là! Hey! Oh, wow! Oh, oui! Ah! Hey, ça, c'est un triple. Tu contrôles même in space? Hey, holy shit! Pis ça, c'est un triple screen, là, ça va être. En VR. Ah, mais ça! Oh oui, pis des combats dans l'espace! Aïe aïe! Fait que ça, c'est quoi? C'est un jeu qui va prendre quoi? 500 gigs? Un Tera, c'est-tu rendu là? Oublie ta Xbox Series S, là! Comment, là? Non, c'est pas un PC, ça. Ben oui, juste pour la construction des vaisseaux et la construction des planètes, là. Hey, j'ai l'impression que ça va me bouffer du temps, ce jeu-là, là. Moi, j'ai l'impression que ça va me bouffer des terras, ça. Oh my god, oui. Ah! Je vis plus. Toutes mes slots de M.2 sont pris, il faut que je me grossisse. Moi, ouais, je m'achète plus d'SSD, là. Tu vas avoir 3 SSD. Un pour le système d'exploitation, un pour Call of Duty, un pour Starfighter.
Occupe-le. Le pire va être cloud, hein, ce jeu-là, sûrement. Ah, ils sont dégueulasses, ces jeux-là. J'ai essayé le cloud, puis ça joue pas bien. Ouais, le cloud n'est pas encore exactement ce qu'il serait là, non. C'est une bonne idée, par contre, mais... Ah ben oui, mais... C'est pas encore... Ah, je comprends pourquoi que le jeu est reporté, mais c'est le temps de développement. Just how big is this game? So we thought we'd take one last moment and show you. Let's take a look at one of our planets, Jemison. 500 gigas. Hey, dis-moi que tu peux aller lander exactement. Ok, non. Ça serait épique, là. Pas de loading. T'approches, fais ton entrée dans l'atmosphère, puis tu vas à ta base. Imagine. From barren, heavy ice balls to Goldilocks planets with life. And not just this system, but over 100 systems. Over 1,000 planets all open for you to explore. Over. We can't wait to see what you find. Ouais. Ok, c'est 500 G et plus confirmé. Hein. Ah, c'est sûr, putain. Bon, vous savez, il va falloir acheter un SSD ou un disque dur juste pour ce jeu-là. Ouais. Clairement. Oublie ça, là. Ah, un Samsung Evo 2 Tera, c'est 250. C'est magasin des jeux. Kingston, ils font à 170. Ah, ouais, tu sais, il y aura une rupture de SSD quand le jeu va sortir. Là. C'est pour ça que tu l'achètes là. Cloud, tu sais. Tu vas rouler ça comment avec Cloud, là? Mon 400 MB. Ben, pas beau graphique, là. Mon 400 MB roulera pas ça, là. Je suis désolé, là. Ouais, ben, c'est quand même fou. Quand même une coupe de bon jeu. Bon, ben, je me rétracte, je m'excuse. Comment boucher 10 minutes en 10 minutes? Puis même encore, s'ils me disent qu'il n'y a pas de Starfield parce qu'il n'est pas encore complété, je vais l'accepter. Là. Déjà, quand on nous parlait de Starfield dès le début, j'étais vendu. Ben là, je suis encore plus vendu. Parce qu'on nous l'avait dit, là, ça va être le prochain gros IP de Bethesda. Et j'y attendais, mais là, pas à ce point-là. C'est violent. Ouais, c'est... Hein? Hey, merci gang pour l'improvisation d'aujourd'hui. C'est fun. Ouais. J'ai eu changé, je me suis réveillé. Hey, ouais. Finalement, c'était un mal pour un bien, la chicane d'hier. Parce que sinon, j'aurais pas pu voir. Ouais, Forza, Diablo, puis Starfield. Ouais. Forza, je suis presque pas surpris que tu le mets dans ta liste. Ouais, c'est... Je dirais pas au même niveau que Starfield. Starfield est vraiment épique, mais quand je suis en train de réinstaller le set, je veux dire, juste pour ce que ça me tente de jouer. Je comprends. Ah! Mais Starfield va être vraiment génial. Ah, il va être quelque chose. Bon, à plus. Ouais, bye, là. À plus, Richard. Ouais, bye. Bye. Mathieu, Geneviève, allez-vous tout de suite vous autres ici? Ouais, ouais, ouais. Ouais, moi et tout, là, je vais me préparer à partir. Puis... On va aller rejoindre la famille pour la fête des pères. C'est... Zach a tellement hâte d'aller voir sa grand-mère. Fait que merci tout le monde d'avoir été là. Bye, là. Ouais, non. Ciao. Non. Zach a hâte d'aller voir sa grand-mère. Fait que, on y va. Merci tout le monde d'avoir été là. Live, Starfield, Diablo, Forza, all the way. On va aller... Et Ark 2 aussi, pour certains.
Fait que déjà, j'étais hype pour Starfield, mais je pense que là, je suis encore plus vendu. J'avais hâte. Fait que sur ce, hey, puis le Game Pass va être le fun encore pour 20$ par mois. Sur ce, ciao tout le monde! Mm.